auditeurs, chers Parisiens, je suis Friedbert Pfüger, président du groupe de la CDU au Parlement de Berlin et membre au conseil directeur de la CDU Allemagne. En septembre 2006, pendant la campagne municipale à Berlin, j'ai fait connaissance avec Françoise de Panafieux, venue à Berlin pour s'informer de la situation actuelle à la capitale allemande. J'ai rencontré une femme d'action, d'engagement et de terrain. Une femme qui privilégie le pragmatisme et qui refuse l'idéologie. Une femme qui aime sa ville et qui veut valoriser tous les atouts de Paris. Une femme qui a rendu visite à toutes les métropoles européennes avant de bâtir son projet pour Paris. Que ce soit à Berlin ou à Paris, nous connaissons les mêmes défis à relever, par exemple le développement économique, l'intégration, le transport, la sécurité et la propriété, la lutte contre le réchauffement climatique ou l'urbanisme. Il y a de nombreux points où nos deux villes peuvent tirer profit de nos expériences respectives. Je sais que Françoise de Panafieux le fera en faveur de Paris. Françoise m'a dit à Berlin qu'elle veut faire de Paris une véritable éco-capitale. Un exemple écologique en créant une vraie pôle d'excellence réunissant entreprises, recherche et universités autour des nouvelles technologies de l'environnement. Une proposition très proche de mes idées pour Berlin. Dans tous les domaines, elle a des propositions précises, chiffrées et ambitieuses. Elle veut être pour Paris le maire de l'essentiel. Il y a plus de 9000 Allemands à Paris ayant le droit de vote. Un petit message à mes compatriotes, si vous me permettez. Wenn Sie in einem wirtschaftlich starken, lebendigen und dynamischen Paris leben wollen, gehen Sie am 9. und 16. März zur Wahl und unterstützen Sie Françoise de Panafieux. Je souhaite à Françoise de Panafieux beaucoup d'énergie pour accomplir une tâche exigeante et ambitieuse. C'est ensemble et c'est avec Françoise de Panafieux que vous allez construire le nouvel avenir parisien. Merci.